Après plusieurs jours d'absence sur les réseaux sociaux, Ryan Bensetti a fait une apparition très remarquée sur Instagram. Ce mardi 8 août, l'acteur de 30 ans, qui a perdu sa grand-mère l'année dernière, a pris la parole dans sa story pour faire d'inquiétantes confidences. « Je suis vivant », a-t-il d'abord indiqué face caméra, avant de remercier ses fans, « un grand merci pour tous vos messages, tout votre soutien ». Quelques secondes plus tard, celui qui avait provoqué une polémique en posant avec un ours a révélé qu'il avait été hospitalisé en raison de terribles soucis de santé. Pour vous expliquer rapidement ce qu'il s'est passé, grosso modo, j'ai pris un staphylocoque doré à l'hôpital. J'avais un bouton sur le torse et ça me faisait mal à l'intérieur, a-t-il confié, encore marqué par cette épreuve. Et d'ajouter, tout s'est infecté et je me suis réveillé le lendemain gonflé du cou jusqu'au ventre avec tout le corps rouge. Traumatisé par la disparition de son papa, Ryan Bensetti a développé une peur des hôpitaux. Résultat ? Il était tétanisé à l'idée de consulter et son état de santé s'est aggravé. Je n'ai pas voulu aller à l'hôpital. Donc j'ai attendu. J'ai attendu 24 heures et le lendemain, je me suis réveillé avec une balle de tennis au milieu du ventre, a-t-il ajouté, avant de dévoiler ce que lui ont dit les médecins. Ils ne sont pas passés par 40 chemins, ils m'ont dit, vous risquez la mort, M. Bensetti. Supérieur à supérieur Aline Renault et Ryan Bensetti partagent un tendre moment de complicité. Ryan Bensetti, les médicaments ont marché après une courte hospitalisation, le comédien a pu rentrer chez lui avec une ordonnance en main. Si ça ne dégonfle pas en 48 heures, foncez à l'hôpital, lui a indiqué le médecin. Heureusement, le traitement a été efficace. Les médicaments ont marché, j'ai dégonflé, maintenant j'attends, c'est censé être le dernier jour. J'ai toujours cet énorme truc, son abcès, note de la rédaction, j'espère que je ne vais pas devoir être opéré, a-t-il poursuivi, avant de conclure, je suis un parano de ça, j'ai vraiment très peur de l'hôpital. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo. Coadic Guirec Christophe Clovis.